Carnet de route Kenya, mai 2016. Rebondissement à Pourko et Ilkire Michaud. Embarquement pour Nairobi après des difficultés administratives. À l'arrivée, une valise perdue ainsi que du matériel électrique. Ça part mal, mais nous le prenons bien. Avec nos accompagnateurs Maasai, nous nous dirigeons vers Nakuru, où nous rencontrons les entreprises qui doivent nous apporter du matériel et nous aider dans nos travaux. Pourko, notre première vraie destination. Tous les habitants et les enseignants nous attendent en chantant. Nous avons droit à une véritable haie d'honneur. Nous entamons rapidement la réunion pour cadrer le déroulé des travaux. Le lendemain, tout le monde commence les tranchées qui permettront aussi d'installer les canalisations pour la distribution de l'eau. Nous posons pas moins de 24 panneaux solaires pour faire fonctionner la pompe à eau. Nous organisons des réunions de formation pour expliquer aux adultes et aux adolescents comment faire fonctionner la station de pompage et comment l'entretenir. Ilkire Michaud, nous sommes heureux de constater que ce que nous avions réalisé en 2010 fonctionne régulièrement. Notre objectif cette fois est de doubler la puissance de la pompe à eau. Pour la grande école, nous créons un socle devant accueillir 3 panneaux solaires. Nous attendons du matériel pour réaliser l'électrification intérieure des classes, des grands et des tout-petits. L'un de nous en profite pour partir à Nairobi pour récupérer des tuyaux pour l'eau, des batteries et un réfrigérateur solaire pour le dispensaire. Au bout de quelques jours et de faux espoirs, nous apprenons que notre matériel électrique est toujours bloqué au port de Mombasa. Nous ne pouvons pas effectuer la fin des travaux. Nous reviendrons bientôt, mais nous repartons le cœur gros. Nous devons rester optimistes et garder le moral. Nous ne serons pas vaincus par des tracas administratifs. Nous avons offert toutes les belles lumilettres aux professeurs de ces écoles qui ont été étonnés par tant d'enthousiasme. Nous leur avons promis que nous mènerions à bien ce projet. Merci à tous pour votre engagement.